Mesdames et Messieurs, TV Lakay.com, bienvenue, nous comptons rejoindre nous encore une fois pour nous présenter une nouvelle vidéo ça. Jeudi, c'est samedi, c'est week-end. Nous souhaitons bon week-end à tout le monde. J'en nous toujours dit depuis ce week-end. Un petit conseil ça, nous toujours botter le pour vous. Et si vous ne pas conduit et si vous conduit tout, évitez boire en même parce que bagay karivo à propre le regretter. Eh bien, c'est ça pour faire. D'abord, c'est éviter conduit pendant wap boire. Oui, c'est important. Mesdames et messieurs, je dis là, nous connaissons ancien sénateur Guy Philippe, qui n'est même pas baissé les bras dans la bataille là. Guy Philippe, encore une fois, eh bien, dans l'actualité, mesdames et messieurs, jeudi samedi, Guy Philippe, ancien sénateur, ancien et commandant pays, lui-même qui sorti dans le silence, et déclaration ça, eh bien, qui va en pile nèg diarrhée, parce que Guy Philippe s'est monté à partir des jours qu'a venu là. Eh bien, pral gen rel nan peyi a parce que lui-même li pral passer à l'action. C'est Guy Philippe, on n'y a pas changé. Gen moun ki dit 2004 pas 2024, men ap di ou, tête qui habitué pour chapeau, mesdames et messieurs, c'est chapeau là toujours pour dé. Oui. Eh bien, Guy Philippe lui-même, nan yon ti kout ta parler avec la presse, li te fait jodi an. Eh bien, kote le fait des déclarations là qui fait un pile nèg ap tremble, surtout si la yo qui fait partie des conseils neuf membres ça. Eh bien, Guy Philippe, monsieur, encore une fois, confirmé que lui-même, li poko perdi bataille là, la bataille jusqu'au bout parce que faut qu'il prenne tête en pays ça pour retirer Haïti en bas griffe les États-Unis avec la France, Canada. Eh bien, trois pays ça, yo même, yo décidé pour yo fini avec Haïti dans un badge et population pas ouais ça, nèg politique yo pas ouais ça parce que yo même Haïti pas dans agenda yo, c'est l'argent yo pral défendre. Et bien Guy Philippe, monsieur frappe fort qui nous pral inviter ou tendez là. Gagnant tout Rode Joseph et candidat pour sénateur dans pays les États-Unis et trois coups de cando qui lui même sorti dans silence li tout côté monsieur fait des gros révélations et bien concernant force multinationale qui est pour entrer dans pays a. Et bien c'est le Rode Joseph américain pas venir régler question bataille à gang pour haïtien. Donc c'est intérêt yo y a vinn défendre et monsieur aller plus loin pour le faire connaître que getan gagne un paquet million dollars qui getan disponible pour distribuer by tout chef gang yo pour faire nego déposer zaman pour petit temps que Kenya les même la fête dans pays a. Là on pense tout bagay fini et ben quand Kenya aller tout bagay pour le recommencer Jean Lti selon Rod Joseph en côté monsieur pour ne pas dire c'est moi qui a fait menti. J'aime ce jour-là, nous avons fait un miracle, mais tout confus ensemble. Tout vicieux, tout machin de pays. Pas un nègre qui a dit qu'il est entré dans ça parce qu'il aime Haïti. Tout nègre qui est entré dans ça, j'ai au dicté là. J'ai au fait là, c'est machin de oui, c'est volé oui. Pas un nègre sérieux dans le conseil, neuf mounes à là. Donc, pas occupé aucun monde qui a dit oui, c'est politiquement, ils sont volés, ils sont vicieux. Oui. C'est ça qu'il faut là. Parce que États-Unis, il y a 11 siècles, plus qu'un siècle, la dominée politique Haïti à côté de la guerre. Si Américain te voulait aider nous, il t'a payé nous. Je dis avec CARICOM, il a imposé chaque grand nègre, il va gagner 11, il a demandé pour le bureau, il a gagné 11 monde. Entre conseil et monde qui travaille. Chaque monde, il va demander au moins un patrol. Qui va gagner 99 patrol. Il va gagner, parce que c'est un bureau de 11 monde, il va gagner 99 patrol. Tout nègre, il va demander pour le payer, il va gagner un roi. Tout le monde qui a la bataille entre eux a déchiré, ça a voulu contrôler tel ministère, ça a voulu contrôler l'APN, ça a voulu contrôler l'APN. Côté pays, il y a pays. Côté pays, il y a pays. Et qui ça, il y a une légitimité populaire. Ce n'est pas le peuple qui met là. C'est l'ambassade américaine qui met là. Donc, à qui est-ce qu'on sait qu'un exemple? Pour qui est-ce qu'on va travailler? Pour qu'il y ait des jobs, qu'il y ait des privilèges, qu'il y ait des gens. Il va continuer de travailler pour l'ambassade américaine, qui est toujours là, qui a des trois visas. Bah, anti-cob, parler de la vidéo dans quelques fêtes, pendant lui-même, il a continué à piller l'on, il a continué à voler et bauxite, non, voler cuivre, il a continué à voler iridium, il a continué à voler tout ça dans le sous-sol, sous prétexte que c'est réserve stratégique, pendant que le peuple a coupé nos misères. Donc, c'est bagaille, ça, vous nous dénoncez, c'est comme ça qu'on a fait. N'a pas gagné bataille là. Moi, je suis content, n'a pas gagné. Peuple, pas qu'on perd du bataille. N'a pas gagné bataille là. Il y a mon petit Jean Long. Mais c'est pas ça moi-même, ni le peuple a été souhaité. Neuf jabs à eux là. Mais nous déboulons Ariel Henry. Nous déboulons l'autre monde qui te compte dire qu'on va déboulonner. Jean-Claude Duvalier te dit que l'île a pire que le peuple a été montré que c'est pas pire. Neuf volets à eux, 99 soufflants de choses à eux, on a déboulonné. On va garantir qu'on a déboulonné. Ok, sénateur. Et même si c'est sur le déboulonné, on a bien. Donc, on a bien tout. Structure ça, tout nègre ça qui vient pour frapper avec force.
7 février, il n'y a pas de dire là, tout le monde dit sur place Saint-Pierre. Tout le monde dit sur place Boigny. Tout le monde connaît que nous avons un plan en route pour nous aller à Canapé Vert, pour nous commencer un mouvement réel 7 février pour nous capoter le système. Là. Mais qui ça vous fait? 200 fois, vous voyez des gens en tenue, et je dis c'est policier parce que y a un pile là-dedans, tout pas police. Mais que la police lui-même accepte le dit, ils ont tué 5 nègres sur le champ. 3 autres mouri après, 8 mouri, 8 bessa. Qui va faire rien, qui va tirer un grain d'âme, qui va jamais menacer la vie policière ou bien la vie monde. Seulement parce qu'il y a sorti pour accompagner, pour mener un canapé vert, pour une route que nous avons fait avec le peuple. 8 grains de nègres perdu la vie. Parce qu'ils ont été coincés dans le pays. Okay. Donc, les gens qui disent que vous attendez, et vous connaissez qui est Bailon Sao. Vous connaissez qui est le responsable de l'Amor Sao. Et l'Amor Sao, c'est Ariel Henry avec l'ambassade américaine. C'est sous mais, sous Paul, sous yo. C'est yo criminel là. C'est yo qui a 100 peuples là. Et non, mais c'est yo qui tue. Et 8 nègres. Pas penser qu'il y a Binzo, oui, bandit. Pas bandit. C'est la police nationale sous l'ordre d'Ariel Henry avec l'ambassade américaine, avec des gens qui ont payé des mercenaires qui assassinaient les nègres. Okay. Et objectif c'était assassiner. OK. Mm-hmm. Donc maintenant on est là. Je comprends. Maintenant, il commence moi en train, puis le monde a parlé, oui. Barbecue et prendre chaud, soldat mec qui rentré, tant coup que barbecue avec toute notre monsieur et comme monsieur is gagnio bien vivant samio. Tant coup yo même c'est pour yo Américains ou bien soldats ou bien MSS Kenya / Nations Unies t'as pas l'entrée en Haïti. Tant que c'est pour eux même y a pas l'entrée. Ma belle j'ai un petit bagage bien. Comment nous même parler d'expérience, m'pas parler de sa pensée ni sa ni passion. Déjà gagné environ 34 millions de dollars pour faire tout Zambébé en Haïti. M'pas du crime non? Pour faire Zamio bébé 34 millions de dollars. Ça veut dire, pas inquiète ou non, ma quelle lave ça. Si vous tendez, yon dou, keite l'homme sans jou, keite barbecue, keite Iso, keite Dimitri Ra, keite tout monsieur innocent, yon tout ou tendez yon dou, nan voilà paix, yon fait même ça ou te fait pour Mozambique. Ou ap tande yo bay nek sa ou million yo et pou tande yo vre tout nan asile pour voir la paix. Yo konnen ki pa la paix mais son relatif de la paix. Pa inquiète ou non? Sou tande yo dou que parce que moi bon et pour ça m'ai pas là avec nous et journaliste haïtien. Avant pour m'ba pour m'fini pour m'avancer. Gyo journaliste qui te respecte qui relève qui dit mon cher moi ou ap mete des posts en daki et on nous parle. La fin par la même si m'voye des documents, m'se dit ah, celle m'confie mes documents, oui, mais celle bagay m'ka fè, c'est celle sou parle de li avant. m'a ka parle de li parce que m'pa vle pour ambassade avec département d'état, et dit c'est moi qui mette gros cause ça au dehors. M'dim c'est bon, un gros journaliste consoyé et puis ou peut faire travail ou même dim c'est lui met 10 c'est moi qui bail document. Mais m'dask ko gen document pour mission qui gen pour faire. Il dit oui. M'dask ko lire. Il dit oui, il lit tous les 11 pages. M'dask ko comprendre son lire. Il dit bon, mais peut-être qu'a pas gen yeux là m'accepter. Il dit peut-être il kapaka genzie pour loin et puis le comprendre nan niveau comprenant éduquer ça m'bat bravo pour lui parce que gen domaine qui pas domaine nous c'est vérité ou même tout là m'bal di on bagay là nous tout pas là oh regardez vrai pour prendre plume nous pour nous parler mais monsieur qui Haïti là. Je fais partie d'une organisation qui est le Triple Canopy. Vous savez, je parle d'une organisation qui a fait recrutement vétérans haïtiens pour être capable d'aller à Haïti,
pour officier tant que moi, yo tapé yo offri jusqu'à 3200 dollars par jour pour nèg qui était enlisté. Yo offri jusqu'à 1800 dollars par jour. Eh bien, c'est compagnie ça qui Haïti qui gen contrat avec département de défense qui Haïti là. Qu'on a là son bagaille, m'a pas dit bagaille ou pas de connait. Avion militaire ça ou là, son avion ou ka loué. Sous son monde qui philanthropiste ou bien son gros businessman, depuis c'est pour ou ka loué avion militaire.